Ouais, je bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end. Et aujourd'hui, la semaine commence. Et dès demain, qu'est-ce qui va se passer? Eh oui, le retour de la Ligue des Champions est officiellement arrivé. Après tout ces jours d'attente, toutes ces journées dans le noir, nous voilà éclairés, luminés, par cette Coupe d'Europe absolument magnifique qui reprend dès demain. Et ça commence très très fort avec le Real Madrid qui va affronter le FC Bayern. Alors moi, je veux entendre tous vos scénarios possibles, même si j'ai ma petite idée sur le vainqueur, parce que, mesdames et messieurs, il ne faut pas oublier que le FC Bayern a un poisseux dans son équipe qu'on n'a jamais vu. De tels poisseux en termes de football. Harry Kane n'a jamais remporté de trophée partout où il va. Hein? Les trophées s'en vont. Les trophées fuient Harry Kane. Avec Tottenham, c'était du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, avec le FC Bayern, pour la première fois depuis un certain moment, le FC Bayern n'a pas remporté le championnat d'Allemagne, la Coupe d'Allemagne, le truc des clubs. Et là, la Ligue des Champions, on va voir ce qui va se passer. Peut-être que ça va être le seul trophée du FC Bayern, mais en tout cas, le Real Madrid, on sait que lorsqu'ils arrivent en demi-finale, ils ne perdent pas. Hein? On a rarement vu. Ni même presque jamais vu le Real Madrid perdre en demi-finale. Mais t'es malade ou bien quoi? Et encore pire lorsqu'ils arrivent en finale. Hein? Donc qui est le grand favori? C'est le Real Madrid. Voilà, la Maison Blanche. Je suis sûr qu'ils ont déjà commencé à installer les petites tables où ils allaient recevoir leur prochaine Ligue des Champions. On ne sait pas. En tout cas, le lendemain, le surlendemain. Le Paris Saint-Germain va commencer sa première partie de cette demi-finale de Ligue des Champions. Et là, tout ce que j'ai à dire, c'est courage. Mon cœur est avec vous. J'envoie que des énergies positives à l'encontre de tous les joueurs, de tout le staff, de tous les supporters et de tous ceux qui soutiennent et aiment le Paris Saint-Germain. Que les ondes positives. Je n'ai rien d'autre à dire. En tout cas, Dortmund, bonne chance à vous. Hein, c'est une bonne chance sincère. Voilà, sincère, vraiment sincère. En espérant que le match va être de qualité et qu'il n'y aura aucun pépin des deux côtés. Nous, ce qu'on veut, c'est du beau football. Hein? C'est du beau football. C'est tout ce qu'on demande. Et c'est ce qu'on va avoir, j'ai l'impression. En tout cas, merci à vous. Hein? Je vais entendre vos pronostics. Qui passe? Qui va remporter la première confrontation? Tu penses que le Real Madrid, ils vont gagner combien? Ou bien tu penses que c'est le FC Bayern qui va venir devant le Real Madrid et qui va lui dire, hé, ferme ta bouche. Tu te tais là. On s'en fout de ta Maison Blanche. Nous, on doit aller jouer contre une équipe là en finale. Et là, vous allez voir. Et sur le lendemain, tu penses que qui va gagner? Dortmund ou le Paris Saint-Germain? À ton avis, qui va rejoindre qui en finale? Hein? Je t'attends.